Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit guide donjon, comme j'avais fait pour les mortes mines, mais cette fois-ci pour Gnomeregan, qui est le donjon pour augmenter vos morts-vivants. Nos trois chefs morts-vivants. Honnêtement, c'est un donjon qui est quand même plus facile. Les mortes mines, il était quand même assez tricky, très compliqué. Celui-là, il est quand même beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, moi perso, je l'ai trouvé beaucoup plus simple. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on a les trois donc chefs de guerre qu'on va pouvoir augmenter. Pourquoi c'est intéressant de le faire? Parce que pendant tous les cas, moi, je vous conseille de le faire avec tous vos chefs de guerre, même ceux que vous ne jouez pas. Par exemple, mon Talnoche, je ne le jouais pas du tout. Mais il faudra quand même vraiment le faire avec tous, parce que dans tous les cas, vous en aurez forcément besoin à un moment donné. Pour, par exemple, Héroïque, c'est toujours bien d'avoir un chef de guerre de chaque faction qui est quand même assez haut level. Et du coup, les donjons, là, vous voyez, avec le baron, je l'ai bien rush. J'ai fait, pourtant, j'avais pas du tout up mon baron, hein. Je crois qu'il est niveau 15 de base. Ouais, il est pas très haut. Et là, du coup, j'ai quand même réussi à monter tous mes slots en or, sauf un en bronze. Donc, c'est quand même assez facile, je trouve. Et vous allez voir, il y a quelques trucs à savoir. C'est pas non plus le plus compliqué, mais il y a quand même quelques petits tips à savoir. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait plaisir. Et franchement, ça continue. Enfin, je continue d'avoir quand même des vues assez régulières et ça me motive à continuer à faire du contenu sur le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi. J'aime bien échanger avec vous. Vous me dites, voilà, ça, j'ai bien aimé. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur ça? Voilà, ça encourage parce que quand on s'enregistre seul, des fois, vous aimez le contenu, mais vu que vous commentez pas forcément, ben, je sais pas si ça plaît vraiment. Moi, je vois les likes, je vois quand même les vues, mais... Voilà, ça, le petit com, ça fait toujours plaisir. Alors, pourquoi c'est intéressant de monter surtout le baron. Le baron, c'est le chef de guerre qui est complètement pété en PvP. C'est vraiment trop fort, c'est très facile à jouer. Surtout si vous arrivez à avoir ce talent. Enfin, le talent. Invoque des mages squelettes au lieu de guerrier. Ça, voilà. À partir de là, vraiment, le perso est très broken. Donc, je vais pas vous montrer le guide sur le baron parce que je suis déjà arrivé au bout de ce que je pouvais. Ouais, voilà. Bon, là, c'est un bug. Hein. C'est mon baron qui est niveau 21. C'est rouge. Franchement, là, je commence à être dans le dur. Ils sont pas, enfin, mes créatures sont pas assez hautes pour aller plus loin. Donc, je le finirai peut-être plus tard. Mais voilà, j'ai quand même bien réussi à monter mon équipe. Du coup, là, je vais vous montrer sur Sylvanas. Alors, vous avez, bon, Sylvanas, c'est très intéressant de la monter aussi parce que c'est un perso qui est quand même très fort. Vous savez qu'elle coûte assez cher, mais c'est un perso qui est quand même très fort, notamment en PvE, je trouve, mais même en PvP, voilà. Ça reste un très bon chef de guerre. Le mage de Santalnos est très 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 fort, mais il nécessite quand même beaucoup de skill. Et la différence en fait avec le mage de sang, c'est que il va se jouer avec beaucoup de sorts. Et là, par exemple, sur mon baron, il y a des créatures qui vont souvent, enfin des figurines qui vont souvent revenir dans tous les decks. Donc, c'est pas gênant de jouer tel ou tel chef de guerre, parce qu'on va pouvoir utiliser toujours les mêmes figurines au final. Donc, si on monte un level de figurine, on va dire une équipe type, on peut l'utiliser sur plein de chefs de guerre. Le problème du mage de Santalnos, c'est que il est vraiment pas mauvais, mais en fait, il faut vraiment qu'il ait une compo type avec beaucoup de sorts, avec une front lane pour le couvrir, tout ça. Et en fait, au final, il y a que vraiment, si vous voulez, main limite la classe. Mais sinon, au début, je vous déconseille de jouer ce chef de guerre parce que bah, vous allez monter beaucoup de choses que vous ne pourrez pas utiliser dans les autres decks. Enfin, je sais pas si j'ai été clair, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc, le perso est très fort, hein, mais c'est juste que bah, forcément, c'est moins polyvalent, donc c'est moins fort. Du coup, nous, on va jouer Sylvanas. Alors, on va se jouer Sylvanas. Je tiens à dire que, vraiment, là, j'ai les talents dessus, mais sans talent, ça passe tout seul. Vraiment, hein. Les talents, là, c'est du plus, pour le coup. Mais vraiment, sans talent, c'est exactement la même. Donc, voilà, moi, je joue Sylvanas. Bon, là, j'ai le talent Flèche Noire, mais si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Je joue le Nécromancien, pareil. Et moi, j'ai invoque des mages squelettes au lieu de squelettes, mais vous pouvez mettre le Nécromancien basique, il n'y a pas de problème. La gargouille qui est quand même très importante jusqu'à un certain level. Après, au bout d'un moment, ça bloque, mais vous allez comprendre. Elle est très, très efficace pendant un moment. Ensuite, je mets un troll sombre lance. Moi, je trouve ça toujours très efficace, notamment dans le dernier level. Et un petit peu dans le premier aussi. Voilà. Pareil, je me suis mis un peu des murlocs, mais vous verrez, c'est pas forcément obligatoire. Plus obligatoire, là, c'est quand même la pilote. La chasseresse, elle fait quand même la diff.
et la gargouille. La gargouille, voilà, c'est quand même l'ossature. Donc vous allez voir, c'est, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est quand même assez easy. Alors on est parti pour un donjon, je vous en fais qu'un seul. Hein. Là je pense que level 16, ouais, ça devrait le faire assez facilement même. Hein. Donc en termes de talent, j'aime bien prendre, si vous l'avez, vu que vous jouez quand même 3 morts vivants, invoque 2 dommages squelettes dans votre base à chaque fois que vous jouez un mort vivant. C'est important. Et on est parti. Alors, ce boss-là, pas très dur, mais il faut comprendre juste une chose. C'est-à-dire que là, à côté du coffre à gauche et à côté du coffre à droite, voilà, là vous l'avez, vous avez une ceinture de prévention. Protection à durée limitée, connue pour attirer les gnomes, c'est reste inutilisé trop longtemps. En gros, la première créa qui va passer dessus, elle va avoir un bouclier qui rend invulnérable pendant un moment. Donc le but, c'est quand même d'aller la chercher très vite. Donc là, vous allez comprendre, on va envoyer direct notre ami. Ce chest-là, si j'avais eu la pilote, je l'aurais directement en contest. Mais là, du coup, je vais juste jouer Sylvanas pour défendre. Il ira très bien. Et là, on va aller chercher le... On va pas le laisser prendre le coffre. Hein. Voilà, donc là, normalement, on devrait avoir le bouclier qui va pop ici. On va le récupérer. On le récupère avec la gargouille de préférence. Il va pas tarder. Voilà, il est là. Donc là, une fois que votre gargouille elle est en mode protégé, vous allez pouvoir rush. Ici, on va... Et en fait, une fois que vous avez pris la pierre, vous allez pouvoir récupérer très très facilement le bouclier qui est sur la droite. Et après, à partir de là, c'est quasi win. En fait, ce boss, là où il est chiant... On va quand même défendre ça. Hein. Hop. Là où il est chiant, c'est qu'il repousse très facilement vos créas. Voilà. Genre là, il a envoyé ma gargouille, elle est sortie de la map, et du coup, elle est morte. Donc, en fait, vraiment la clé de ce boss, là pour le coup, j'ai un petit peu d'avance sur les levels, donc ça se voit pas forcément. Mais vraiment, la clé du boss, c'est d'aller... Toujours avoir les boucliers. Si jamais vous laissez les boucliers à l'adversaire, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Donc vraiment, il faut récupérer les boucliers, connaître un peu le timing, et après ça va tout seul. Le chef, il en manque 2 araignées, non. Les squads... Bon. Je sais pas si je prends ça ou ça. Là, on va prendre la furie. Alors ce boss. Le boss, pour moi, il est quand même... C'est le plus dur, hein, clairement. C'est le plus dur. Comme très souvent dans les donjons, c'est le deuxième qui est le plus dur. Alors, ce qu'il faut faire, moi ce que je vous conseille jusqu'à un certain level, quasiment jusqu'au rouge, c'est que vous allez jamais contester le milieu. Là, je pourrais le faire parce que j'ai un peu d'avance sur les levels, mais je vais pas le faire. Je vais vraiment vous montrer la strat qu'il faut faire. Donc vous laissez, généralement vous n'avez pas de quoi défendre le milieu. Le milieu, là, il est trop compliqué à défendre. Donc vous laissez le coffre, c'est pas grave, on s'en fout. Et vous allez rush avec la gargouille, la tour de gauche. Le but, ça va être de récupérer les 2 tours. Une fois que vous avez les 2 tours, c'est quasi win. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir défendre assez facilement. Par contre, si pendant trop de temps, vous laissez les tours, c'est très très compliqué. Vous allez prendre des assauts et c'est hyper compliqué de défendre. Donc on va essayer de choper... Voilà, du coup, j'ai pas eu la... Elle tape en AOE, vous faites les tours. Hein. J'ai pas eu la... La gargouille, bon bah du coup on va attaquer à droite avec la gargouille, voilà. S'il y a tout ça, on va quand même le tuer parce qu'on n'a pas envie qu'il nous tue la gargouille. Voilà, avec la gargouille on peut très très facilement prendre la tour. Une fois que la tour est prise, on va se concentrer sur celle de gauche. Après c'est assez easy, on va pouvoir déployer. C'est vraiment la première des choses à faire. Voilà. Et... En plus, on a la furie, c'est nickel. Faut quand même faire attention à défendre parce que vu que ça tape en AOE, on est quand même assez fragile par rapport aux créatures qui attaquent au cac. Je pense qu'on peut envoyer Sylvanas ici pour défendre. Quoique, il y a une belle AOE.
On va préparer notre squelette, on va faire une double attaque. Après, le but, c'est que vu que le boss attaque en face, il faut attaquer sur les deux fronts. Ou là, je peux envoyer par exemple. On va récupérer aussi les mines une fois qu'on est bien assiégé, c'est bien. Ah, j'ai pas très bien géré le timing parce que de base, normalement, tu dois faire une attaque assez synchro à droite et à gauche. C'est plus facile. Parce qu'en fait, le boss, quand il va attaquer, il va se tourner. Et du coup, quand il se tourne, bah, c'est là où il faut profiter. Décidément, il est coriace, lui. Hein. Il va me prendre la tour. Hein. On récupère la tour. On va prendre la mine. On sait qu'en tous les cas, on l'a. Bon, là, il est quasi mort, hein, mais... Et on va faire le classico. Voilà, là une fois qu'il focus, en fait vous mettez un tank à droite et ensuite vous êtes censé envoyer pas mal de troupes à gauche. En fait il va se tourner et pendant qu'il focus votre tank, vous avec plein de petites créas vous tapez à gauche et par exemple si vous jouez... Moi je joue pas des harpies, vous allez comprendre pourquoi je joue très peu de créatures volantes à part la gargouille. Parce que pour le dernier boss, quand ça va commencer à être compliqué... Il vous faut beaucoup de créatures à terre parce que, en fait, les créatures volantes servent quasiment à rien contre les derniers boss. Vous allez comprendre pourquoi. Ouais. Je vais mettre ça parce que j'ai pas envie qu'elles prennent. Qu'elles ont. Ouais, non, j'ai pas envie d'avoir deux fois moins de points de vie. Bon, on va prendre ça, même si c'est vraiment inutile là pour le coup. Et le dernier boss, vous allez comprendre maintenant. La compo que vous devez faire, c'est vraiment par rapport à ce dernier boss. Il est vraiment pas compliqué. Faut juste comprendre comment ça fonctionne. En fait, il a un bouclier, il est invincible. Donc ça sert à rien d'envoyer des créatures au corps à corps pour l'attaquer. Il prendra pas de dégâts, il va limite les one shot. En fait, ça va être du contrôle map. Vous allez avoir trois commutateurs sur les côtés, de chaque côté. Et à chaque fois, ils vont pop. Donc une fois qu'ils sont là, c'est le premier qui le détruit. Ça marche aussi avec les sorts, donc si vous êtes à distance, vous pouvez, si vous jouez des sorts, vous pouvez les détruire. Et celui qui détruit un commutateur, ça crée une bombe là qui descend, elle va attaquer le boss. Et en fait, vous pouvez que le tuer grâce aux bombes. Donc le but, c'est de bien gérer vos troupes, de pas tout envoyer d'un coup, parce que si vous envoyez tout d'un coup, elles vont très vite arriver au boss et vont se faire one shot. Et lui derrière, il va vous en envoyer et il va pouvoir récupérer les commutateurs. Donc le but, ça va être vraiment de gérer et les créatures volantes ne peuvent pas récupérer les commutateurs. Donc elles peuvent juste tuer les créatures d'en face. Mais du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en jouer. Parce qu'au final, vous allez galérer contre ce boss si vous jouez quasiment. Par exemple, ceux qui jouent beaucoup de dragons, harpies, tout ça. C'est pas forcément très utile contre ce boss. Et par contre, il faut aussi, à chaque fois que vous cyclez, que vous avez le kobold, vous envoyez sur les gisements parce qu'il y a toujours un gisement de disponible. Donc ça aussi, c'est très important. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste qu'il faut ne pas envoyer ses troupes bêtement n'importe où, et ça passe tout seul. Donc là on regarde, il y en a un ici, ok, on l'envoie, il y en a un ici, ok, on l'envoie. Et pas plus, on attend. Là vous voyez la bombe elle y va, elle attaque. Donc là on se fait quand même pas mal agresser. Va falloir le tuer, je pense que je sors Sylvanas ici. On va peut-être pouvoir récupérer son... Ah non, j'aurais pas le temps. Oui, quoi que je peux. On récupère celui-là. On envoie le gisement. Normalement, on va peut-être pouvoir lui voler. Non, il a eu avant nous, je crois. Il nous a volé pas mal de trucs, franchement, je me suis bien fait surprendre. Hein. En temps normal, j'en laisse pas autant hein, à l'adversaire. Ah, c'est bon, on a récupéré celui-là. On va récupérer celui-là rapidement. Les murs là, vous pouvez les mettre à droite et à gauche quand vous êtes assez serein. Voilà, on va les mettre juste à droite, on sait jamais. Et on va prévoir à gauche. Alors vous essayez toujours d'avoir des créas un peu à droite et à gauche, après généralement ça passe tout seul.
Hop, on sécurise ça, on va essayer de taper les deux. Ouais. Il nous a bien fait mal quand même. Hein. En gros, voilà, c'est que du contrôle. Vous attendez. Et la gargouille, je l'ai quasiment pas joué. Hein. Hop, là, je viens d'avoir lui. Là, je pense que je vais anticiper. On va commencer à les poser. Ça devrait pop. Voilà. Là, pareil. On essaie de choper ça. Bon, là, il les a eu. Ça sert à rien d'envoyer. Là, on essaie de le récupérer. Normalement, on devrait. Bon, voilà, et ça passe. Bon, franchement. Je voulais vous montrer quand même sur un level un peu plus compliqué, mais ça va être hyper long pour rien, vous avez compris la strat. Je pense que le level d'après, je devrais l'avoir assez easy aussi. Et je pense que jusqu'à orange, rouge, ça devrait passer. Après, la gargouille, vous pouvez la virer, mettre autre chose, quand vous voyez que ça passe plus. Et vous pouvez essayer une strat, on va dire, un peu moins bourrine. Parce qu'en fait, en gros, la gargouille vous fait gagner beaucoup de temps là dans la strat. Mais sinon, si vous voulez, une fois que vous voyez que ça passe plus, que en fait, vous faites one shot limite la gargouille parce que les crades en face sont trop fortes. Dans ce cas-là, vous virez la gargouille, vous tentez de mettre autre chose, un tank peut-être à terre ou quoi. Et je pense qu'il y a moyen de gratter encore des petits levels. Qu'est-ce que je vais prendre moi? On va prendre mort vivant. Je pense que je continuerai après en off. Je sais pas combien j'ai là du coup. Ouais, c'est ça, là je suis encore vert. Ouais, à mon avis, je peux monter jusqu'à 19, je pense. 19 voire 20. Après, ça risque d'être compliqué. Et bon, voilà, vous avez compris un petit peu le délire. Vous avez encore 4 jours. Après, normalement, ça sera les bêtes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Bon, c'était assez rapide, je pense. Je crois que j'ai beaucoup parlé, mais bon, c'était assez rapide. La compo que je vous ai montrée, c'est vraiment une compo à moi qui a fonctionné, qui va fonctionner, je pense, au moins jusqu'au orange. Si vous n'avez pas le murloc, vous mettez autre chose. Si vous n'avez pas, je sais pas moi, le troll, pareil. Pareil pour la chasseresse. Vous pouvez quand même quasiment tout remplacer. Je trouve que la gargouille, elle fonctionne plutôt pas mal, surtout avec Sylvana si vous arrivez à caler les deux en même temps. Mais sinon, vous n'êtes vraiment pas obligé de jouer ça. Je voulais vous montrer ce que jouais moi, mais après, c'est surtout pour montrer à ceux qui ne connaissent pas comment fonctionnent les boss, tout ça. Un guide, on va dire, assez débutant. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.